Salut tout le monde, c'est Cyro, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le Pro Team de Tour de France 2024. On va continuer notre Tour de France et on va se finir le Tour de France, non pas aujourd'hui, mais très très rapidement, puisque demain ça sera la fin. Aujourd'hui on va voir l'étape de Nîmes avec des bordures, on l'espère, l'étape de Gap et l'étape de Barcelonnette. Donc deux étapes un peu vallonnées, mais qui risquent de pas faire énormément d'écart. La prochaine fois, donc demain, on se fera l'Alpe d'Huez, énorme étape avec Galibier et la Croix de Fer juste avant. Il y aura également deux dernières étapes toutes plates. Donc, au final, sur cette troisième semaine, très très naze, une seule étape pour faire des différences, c'est l'Alpe d'Huez. Donc on est parti, on espère avoir du vent. Il reste trois sprints potentiels pour le maillot vert et pour Arnaud. Donc ça serait bien d'aller la chercher. On a une victoire d'étape avec Arnaud Delis, donc en soi, le tour est réussi avec lui. Mais c'était pas un vrai sprint. Donc on aimerait bien passer le cap et aller chercher cette victoire au sprint. Oula ! Non, on ne veut pas de vent en fait. On ne veut pas de vent. Monsieur Carlos Rodriguez, qui est troisième avant cette étape et avant cette vidéo, est en mauvaise forme. Bon, Arnaud lui est en bonne forme. Ok. Eh bien écoutez, nous sommes partis à 12. Hein. Ça part, hein. Une belle échappée, de quoi aller loin. Et on va le voir très très vite. Est-ce que le vent va faire son apparition? J'espère. J'ai l'impression qu'il y a... Le vent arrive vraiment une fois sur 20 sur les deux étapes où il y a du vent. Je sais pas vous, hein, mais moi de mon côté c'est horrible, j'ai l'impression qu'il n'y en a jamais. Un peu chiant. Et j'ai l'impression que ce n'est pas encore le cas, je crois qu'on va attendre après la station service. C'est ici que t'es censé avoir du vent, est-ce qu'il y a du vent? Non. Bon bah, cyanide, si c'est pour mettre des zones devant mais qu'il y en ait une fois sur 40, c'est pas fou quoi. Alors on rentre dans les 30 derniers kilomètres, on se retrouve quand même pour voir s'il y aura du vent dans le final. Même s'il me semble que quand il n'y a pas de vent sur la première zone, il n'y en a forcément pas non plus dans la deuxième. En tout cas, ça m'est jamais arrivé d'avoir du vent dans l'une et pas l'autre et inversement. Donc on va voir, hein. Vous le voyez, 2,25 d'avance pour les hommes de tête qui peuvent aller très loin, hein. À 12, je pense que ça va encore aller au bout. Donc au final, on sera sur un total de, sur 7 sprints, 5 échappés. Ou sur 8 sprints, 6 échappés. Bon, les sprinteurs sont heureux. Les sprinteurs sont heureux sur ce Tour de France. Biermans, Geschke, Kung, De Genkolb, Laporte, Kampenaerts, Armirail, Derek G, Cornilsen, Lutsenko, Kanter, Van Uden. Il y a des bons gars hein, qui vont vite, mais on est le plus rapide avec Laporte. Champion du monde français qui gagne sur le Tour. C'est beau. Elle est échappée, sûre d'aller au bout avec cet écart-là, avec les hommes qu'il y a devant. Il y a possibilité d'aller chercher une victoire d'étape avec Christophe Laporte. Sur ce Tour de France, il ne faut pas se louper. En tout cas, niveau barre bleue, ça va passer tranquille. Ça va se jouer au sprint, hein, on le sait, hein, c'est tout plat. Mais on est sûr de nos forces. On est sûr de nos forces, il faut juste être vigilant. Si jamais à un moment donné, il y a une attaque d'un gars dans cette échappée, il faudra être vigilant. Pardon, c'est l'Intermarché Wanty pour Binyam Guirmé qui roule à bloc. Guirmé qui a que 50 points depuis le début de ce tour. Bah forcément, il n'y a eu que deux sprints, donc il suffit que tu te foires sur l'un des deux. Et bien tu te retrouves qu'avec 30-40 points max depuis le début du tour, avec ces scénarios depuis le départ. Un peu dommage, allez on relaisse passer, 6,5 km, l'avantage c'est qu'en étant à 12, bon, déjà certains passent pas, regardez. Geschke, Van Uden, Kanter, Van Uden et Kanter qui sont peut-être les deux plus rapides. Hein. Il y a Biermans aussi, il y a De Genkolb mais c'est plus De Genkolb c'est plus la pointe de vitesse qu'il avait à l'époque. Allez, plus que 5 km pour les hommes de tête. Il y a Cort avec son dossard du combatif. Allez mon Christophe, De Genkolb est là, est-ce que ça va pas se désorganiser et tenter une attaque à un moment donné? Et si, Bruno Armirail, il est en train d'attaquer là. Hein. Le coureur de Decathlon AG2R. Ah oui, c'est sûr que ça va se désorganiser à un moment donné. Les mecs les moins rapides, ils vont vouloir s'esseler un petit peu en tête. Et regardez, c'est en train de casser. Juste derrière moi, ça a pris la cassure pour Biermans. Notamment, avec une qui est en train d'essayer de revenir. Ah, il peut revenir, un Kung, ça peut revenir derrière, mais des cassures et des efforts évitables. Ah, Van Uden, il l'a compris. Hein. Van Uden est directement dans la roue de Kurt Nielsen. On va prendre la roue de Casper Van Uden, nous. Et Christophe Laporte est là, ouais, non, les forfaits derrière, les 4 de derrière. Armirail, De Genkolb, Lutsenko, Biermans, ils ne gagneront pas. Accélération de Simon Geschke, Max Kanter est là, Kung, Kampenaerts, ça lance très très tôt. Ah ouais, ça lance très très tôt, très très tôt. Attention, va pas falloir lancer trop tôt. Allez, on va faire notre effort, nous, avec Christophe Laporte. Essayer de passer à la droite de Max Kanter. Est-ce qu'on peut déborder ici sur cette arrivée à Nîmes? Allez, Christophe, et on va gagner. Victoire de Christophe Laporte. Le champion du monde qui s'impose ici à Nîmes. Champion du monde français qui lève les bras sur les routes du Tour de France. C'est sacrément stylé. Ah, c'est sacrément stylé.
Ça fait plaisir. Bien sûr, on se rappelle tous d'Alaph en Bretagne, étape 1 du Tour 2021, avec son maillot de champion du monde sur les épaules. Et bien là, c'est avec Christophe Laporte, c'est pas aussi épique vu que c'est en échappé. Mais ça reste une victoire pour l'équipe, et cette vidéo commence très très bien. Il a su déjouer tous les pièges pour s'imposer aujourd'hui. Voici le vainqueur de l'étape, Gruissant Nîmes. Chercher cette victoire, il peut savourer cet instant. Bravo les gars, félicitations à vous. J'espérais bien qu'on joue les premiers rôles, mais de là à gagner cette étape, vous avez réalisé une superbe performance. Bravo pour cette victoire. On conserve le maillot blanc, c'est bien les gars. Oh bordel, on est content, on a gagné, mais regardez à gauche. L'étape qui était censée être calme a fait un carnage dans notre équipe. Avant d'attaquer la troisième semaine, abandon de Heutebrook sur chute. J'ai même pas fait gaffe, je l'ai même pas vu. Et Alaphilippe qui est malade. Oh là 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 là, oh non Alaph, tu dois défendre ton maillot, chef. Oh c'est très chiant ça, hein. Juste avant les étapes vallonnées où il pouvait gratter quelques points en plus. Aïe. Bon, ce qui est sûr c'est que maillot vert, ça ne bouge pas, c'est toujours Philipsen. Mais Derek G est vraiment dans la bataille grâce aux échappées, ça me fume. Et c'est parti, pont du Gard, gap, il y a deux points. En fait c'est surtout sur l'étape de Barcelonnette. Hein. L'étape de Barcelonnette, va falloir qu'Alaph aille à l'avant, même si tout va se jouer sur l'étape de l'Alpe d'Huez. Il faut espérer que pour Barcelonnette, eh ben notre ami Juju... ne soit plus malade, parce que sinon, si la maladie tend sur l'orange, c'est peut-être qu'il sera en bonne forme hein, par-dessous la maladie, mais on pourra pas attaquer à bloc. La barre d'attaque sera grisée par moment, donc pour les points, c'est impossible. Ah, c'était qu'un petit passage à vide, Carlos, bonne forme, la porte pique de forme aussi. Pour le reste, c'est un peu moins bien. Écoutez, eh bien, je pense qu'on va jouer avec Arnaud Delis, celle-ci. Ouais, je pense. Ça m'a pas l'air hyper dur non plus, hein, on verra. Les gars, on aura géré cette échappée parce qu'elle ne va pas aller au bout sur cette étape. J'avais envie de viser la victoire avec soit Arnaud Delis, soit Carlos. Et c'est ce qui va se passer. Encore une fois, hein, sur ce genre de profil, c'est plus facile de gérer une échappée. Pourtant, ils étaient 15 en tout que sur des étapes de plaine. Ça me fume de rire. En tout cas, 35 secondes d'avance à peine pour les hommes de tête. Il y a une belle échappée pourtant. Hein. Gal Van Utveld, Godu, Zimmermann, Champoussin, Johannessen, Errada, Vermaak. Il y a du très 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 beau monde. Mais nous, c'est avec Arnaud. Et on sait qu'il est capable de passer tout ça. C'est avec Carlos, si jamais il peut, à un moment donné, tenter quoi que ce soit. Il tentera. Et ce qui est sûr, c'est qu'Arnaud, il va devoir essayer de passer bien comme il faut. Allez, c'est parti, col de la sentinelle. C'est pas très dur, regardez, hein, c'est assez roulant. On va demander à Carlos de suivre les attaques et de prendre son gel bleu. La porte de s'arrêter, merci pour le taf chef. Et maintenant c'est parti parce que ça monte à une vitesse, même les UAE sont en train de rouler très très fort. Hein. Dommage qu'il n'y ait pas une petite seconde bonif au sommet là de la sentinelle. Ça aurait été sympa, ça aurait pas été déconnant d'en mettre une. Mais bon je crois que sur les étapes variantes ils en ont pas mis. Ce qui est un peu dommage, ils auraient pu penser à le faire. Allez 40 secondes, Godugal, Errada, il va quand même falloir aller les chercher. Hein. Faire le jump ça va pas être si évident que ça. Allez le maillot vert distancé. C'est une étape qui peut nous remettre dans la course au maillot vert, hein. Mine de rien, parce que Philipsen 218 points, on est plus loin, nous, avec Arnaud. Mais tout de même. Allez, Bardet est toujours bien placé. Carlos, avec son maillot blanc, il est bien placé aussi. Je l'aperçois tout devant. Nous, on est un peu plus loin avec Arnaud Delis. Ah, c'est pas assez dur pour le général et les favoris. C'est pas assez dur pour faire des écarts, hein, c'est ce genre de montée. Vermaak et Zimmermann qui ne peuvent pas suivre l'allure. Bah, tu sais quoi, on va même demander à Bardet de se mettre à 110, hein. On va demander à Carlos de prendre son gel rouge. Avec Arnaud, je pense qu'on va devoir le prendre aussi à un moment donné si on veut basculer dans les premières positions. Et ne pas avoir de soucis dans la descente. Allez, moi Arnaud, plus que 75 unités, 14 km. Attaque de Primoz Roglic apparemment en tête de peloton. Ah, je pensais pas que ça accélérerait autant quand même sur une montée comme ça. Après, c'est vrai que les favoris, certains qui ont du retard, se disent qu'il n'y a plus beaucoup d'étapes intéressantes. Donc ils ont pas envie d'en abandonner une. Allez, 1,7 km. Ah, c'est Poga aussi, Roglic et Poga. Ah oui, d'accord. Et regardez qui roule derrière, c'est Romain Bardet. Qui empêche les deux de sortir, magnifique Roho. Ah, on va pas basculer à beaucoup, hein. On va basculer à moins d'une trentaine, là. On va pas basculer à beaucoup. Voilà, Romain Bardet qui empêche tout de sortir. Magnifique Romain. Oh, exceptionnel, hein. Le taf de Romain Bardet est incroyable. 28 secondes d'avance pour Godu égal. À 12 km de la ligne. Ça paraît compliqué pour les deux hommes d'aller au bout. Allez, Romain, il va essayer de tenir quand même. Ça serait bien pour le classement par équipe.
Parce que là, ça continue d'accélérer avec Sepkus. Mais regardez, notre ami Arnaud Delis, il est passé dans ce groupe de 30. Et Godu qui prend les points devant Gall. Il y en avait que deux à prendre, hein. C'est léger. Et voilà, on est là. Ah, Bardet lâché avec Inley, ça c'est dommage pour le classement par équipe. Perdre du temps sur une étape comme celle-ci, c'est un peu chiant. En tout cas, on est passé. L'objectif de faire passer Arnaud, c'est good. Maintenant, il va falloir voir ce que ça donne tout simplement ces 10 derniers kilomètres. Ça descend légèrement, mais c'est pas la plus grande descente de l'année. Hein. C'est très très léger. Allez, Carlos, va falloir suivre. Hein, parce qu'on connaît hein, les descentes des IA. C'est pas fou. C'est pas fou, c'est pas fou. J'hésite même à passer sur lui juste le temps de la descente et demander à Arnaud de suivre les attaques. Non, il a l'air d'être bien quand même. Il est mieux que moi. Donc je reste sur Arnaud. Et là, regardez, les hommes de tête sont repris. Et nous, on est placés avec Arnaud Delis. Le groupe Romain Bardet va rentrer. Oh non, mais par contre, si tout le monde rentre et que toi, Romain, tu ne rentres pas, c'est un peu la loose. Hein. Ouais, voilà, voilà, voilà. Merci, mon Romain. Tu vas venir protéger Carlos. Et là, ça se regarde un petit peu. À 7 500 km, attaque de Remco Evenepoel. Ah bah là, je te dis, il n'y a aucun monde où ça allait se sortir. Hein. Mais aucun, aucun. Je te suis à la trace. Oula, le virage un peu merdique. Le virage un peu merdique. Attention, Remco, parce que Remco, c'est un concurrent au maillot blanc. Hein. C'est un gros, gros concurrent au maillot blanc. On peut pas se permettre de le laisser sortir, là, Remco Evenepoel. Voilà, on empêche l'attaque avec Arnaud Delis. On va retourner dans le peloton avec le tempo des Ineos. Voilà, parfait. Magnifique le taf d'Arnaud. Et maintenant à 5 km. J'espère qu'il les suit bien les attaques quand même, Carlos Rodriguez. Ouais, il est là. Et là, avec son maillot blanc, il suit tout. Bien protégé par Romain. Et à 4 km, va pas falloir le louper ce sprint avec Arnaud. Allez, allez, faut suivre. Et on sort même à 11. Et c'est Pogacar qui en met une. Attaque de Tadej Pogacar. Aïe, aïe, aïe. On va peut-être manquer un peu de rouge là. Ouais, 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 ouais. On va peut-être manquer un peu de rouge avec Arnaud. Attention, il y a un trou. Il y a un gap qui se fait. Avec les 5 de devant. Bon, au moins Carlos y suit, hein, mais j'avoue que là, avec Arnaud, c'est un peu fait avoir sur cette accélération. Allez, faut revenir. 2 km. Est-ce que l'attaque était trop? Je sais pas, mais bon, si on les laissait partir et que ça allait au bout, c'était finito pour nous. 1,5 km. Allez, Arnaud Delis est dans le coup. Arnaud Delis est clairement là. Accélération de Primoz Roglic. Tout le monde est là. Ça va bientôt lancer, Vingegaard, Poga, tout le monde va lancer pour le sprint, Arnaud Delis est placé, il va pouvoir essayer de déborder plein centre, allez mon Arnaud, essaye de faire la différence, Arnaud Delis, et il a fait la différence, assez facilement, victoire du Belge, Arnaud Delis s'impose sur cette étape de gap, alors j'ai l'impression que Poga prend des bonifications, mais bon c'est pas grave, on pouvait pas l'en empêcher, mais on s'impose, back to back, étape 16 pour Laporte, étape 17 pour Arnaud Delis, magnifique. Et là, au maillot vert, bonne opération. 30 points dans la besace, parfait. Suffit de gagner, on peut faire un braco. Hein. Tu gagnes l'une des deux dernières étapes toutes plates. Pouah. Mesdames et messieurs, accueillez-le chaleureusement. Voici le vainqueur de l'étape du jour. Arnaud Delis. Il a su maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Félicitations à lui pour cette performance de haut vol. Bravo les gars, félicitations à vous. On n'était même pas parmi les outsiders, vous vous rendez compte? Bravo pour cette victoire. On conserve le maillot blanc, c'est bien les gars. Une nouvelle victoire, il y a bel et bien une cassure de Comté, c'était sûr, au niveau de Roglic. Du coup, c'est 6 secondes de gratté pour Remco, Poga et Vingegaard. Ce qui fait que, bah, mine de rien, bah, ça compte, hein, 6 secondes par 6, 6 secondes par là. En début de tour, ça a été pareil. Je pense qu'en tout, sur ces petits écarts comptés, sur tout le tour, tu peux compter au moins 40 secondes. C'est quand même pas négligeable. Par contre, vous le voyez, à l'AF, sa maladie, elle tend vers le jaune, donc vers le orange et le rouge, plutôt que l'inverse. C'est pas de chance, mais malheureusement, Bilbao est archi favori pour ramener le maillot. Au maillot vert, on revient à peine 52 points de Philipsen. Il a quand même un sprint d'avance, mais on est là. On n'est pas mort. Gap Barcelonnette. C'est sur cette étape. Il y avait 15 points à distribuer. C'est sur l'Alpe que ça va jouer aussi, mais c'est sur cette étape qu'il fallait espérer que prendre des points avec Alaf et reprendre le maillot à poids. Comme ça, il aurait eu le bonus pour demain en plus. Mais là, avec la maladie sur les sommets, on pourra pas les faire, on pourra pas sprinter. Ah, tu vois, peut-être que sous sa maladie, il a une forme incroyable. Hein. Et bon, elle est pas énorme, hein, la petite barre rouge grisée là un peu, mais... Ah, c'est suffisant pour pas être au sprint à fond. Regardez, je suis pas à bloc, je peux pas aller plus haut. Aïe, 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 oh non. Va falloir que j'anticipe et que je puisse sortir de plus loin. Ah, écoutez, on va très vite le savoir, hein, si Julien, ça va aller très loin. On va très très vite le savoir. Après, en vrai,
Le mieux placé, il est même pas à 10 points. Est-ce qu'ils vont être intéressés par les points? Je crois que mathématiquement, ils peuvent déjà plus l'avoir, le maillot. S'il vous plaît, laissez-moi, les mecs. Laissez-moi. Laissez-moi prendre mes petits 15 points. En plus, l'échappée, elle a l'air d'être de partir bien loin, là. Oh non, Gali les joue. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Allez, allez. Fais de ton mieux, Juju. Fais de ton mieux, mais. Voilà, on fait jeu égal, mais quand ils vont lancer la vraie attaque. Eh oui, bah là, je peux plus. Ça va être, malheureusement. Je pars. Ouais, un peu défaitiste, hein, mais bon, là. Je me demande. Je pense qu'il faut qu'on anticipe. Faut qu'on essaye d'anticiper. Faut tenter quelque chose, de toute façon. Parce que sinon, on est mort. Donc, regardez, hop, on anticipe. On met tout le monde en fil ingène. Hop, on prend le rouge. Et il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir gratter des points. Ah, faut essayer, hein. De toute manière, c'est ça où c'est terminado pour nous. Allez, mon Julien. Tout donner. Ah, regardez. Oh, la petite cassure. Oh, oui. En fait, l'espoir, c'est qu'il y ait la petite cassure sur une... Quand on anticipe et que voilà. Et que ça fasse exactement ça. Parfait. Parce que là, on va pouvoir aller le chercher, le point. Normalement. Normalement, normalement. Attends, ils sont à 14 secondes. Je vais quand même me dresser sur les pédales. On sait jamais. Mais là, on peut gratter 2 points. Tranquille. 20 secondes d'avance. Ouais, ouais, ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. Au moins, on repart pas à bredouille de la journée. Va falloir essayer de gratter comme ça, hein. Pas le choix. Bon, là, le problème, c'est que je n'ai pas de gel rouge. Allez, essayer de faire la cassure encore une fois. Ouais, 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 sur l'accélération, parfait. Ah non, cette fois-ci, ils réagissent. Aïe, aïe, aïe. Cette fois-ci, ils réagissent. Donc, on va pas pouvoir un petit peu carotte l'IA sur ce point-là. Et celui-là, je pense que malheureusement, ouais, c'est mort. C'est mort pour lui. On ne pourra pas aller le chercher. Et le col de Mans en troisième catégorie. Je vais pas utiliser le gel bleu, hein, le gel rouge, pardon. Le gel rouge, je vais le garder pour le deuxième cas juste après. C'est le plus important. Oh là là, si on reprend même pas le maillot avec toute l'échappée. Oh, la maladie qui tombe vraiment au pire moment, quoi. Super. Allez, Juju. Est-ce qu'avec l'effet de vitesse, on peut prendre quelques mètres d'avance? Alors, faut espérer des bons gros virages à angle droit avant le sommet. Oui, 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 oui. Allez, allez, moi, Julien. Ah. Oh non, oh non, oh non. Oh, c'est frustrant. Saint-Apollinaire. Mais pour anticiper, ça va être chiant parce que Mas, il met un tempo de fou. Pour empêcher les attaques, j'imagine, surtout. Et du coup, bah regardez, même en roulant à bloc, j'ai du mal à suivre. Avec Julien, c'est un peu compliqué. Allez, allez, faut remonter Juju. Essayer d'anticiper encore une fois. On va essayer d'anticiper de loin. Est-ce qu'il y a une cassure qui peut se créer peut-être avec l'effet de vitesse? Oui, parfait. Magnifique, 4 secondes. Ça réagit derrière, mais nous, on va prendre le gel rouge. C'est le plus important de la journée, hein. C'est ce deuxième catégorie. Allez, dites-moi que vous êtes fatigué un peu. Dites-moi que vous êtes fatigué, je vous en supplie. Au moins, il faut au moins passer troisième et on prendra les 2 points et on aura le maillot demain. Ça nous donnera un petit bonus. Allez, 1 km. Allez, ça va être parti. Ça va être parti pour Julien. Est-ce que ça va réagir? Allez, allez, essaye de faire l'écart, Julien. Non, non, il le fait pas. Oh non, ça va être mort. Ça va être mort, malheureusement. Quoique, allez. Est-ce que ça peut craquer? Non, ça craquera pas. Hein. Ça craquera pas, malheureusement. On a tenté. Ouais, on a tout tenté. Mais. Et rien à faire, la maladie est de trop là. Oh, pendant que ça simule, il suit pas les attaques. Julien, Julien, Julien. Pourtant, il avait l'ordre auto de les suivre. Et il se laisse décramponner. Ouah, l'effort qu'on doit faire pour revenir rien que sur ce groupe là. Terrifiant. Terrifiant, terrifiant. Aurélien Paré-Pinte s'est fait avoir par cette première accélération. Il reste 12 km. Bien évidemment que l'échappée va au bout. Maintenant, il va falloir voir si, avec Julien, on peut aller gratter une place. On va pas se mentir, hein, pour la victoire, c'est quasiment mort. Mais une placette. Et mine de rien, au classement par équipe, ça va être une bonne opération aussi. Parce que bah, pas d'UAE, pas de Ineos, pas de Visma devant. Donc, on va gratter au minimum 10 minutes. Après avoir remporté le tour de la vie. Et ça, c'est beau, ça. Ça, c'est magnifique. Une nouvelle attaque de Caruso. Mais moi, là, il n'y a plus de jus sur tout niveau rouge, quoi. Vu qu'on a essayé de gratter pour le maillot à poids... Les grimpeurs avec le gel rouge, forcément, c'est compliqué. Ah, et là, plus personne veut collaborer dans ce groupe, réellement, là? On s'enterre? On s'enterre? Vous ne voulez pas la gagne, les mecs? Gal, Carty, ah si, Carty la veut, mais c'est tout, les autres ne la veulent pas. Pourquoi vous collaborez pas? Mais Corbin Strong, c'est incompréhensible, t'es sûrement le gros favori. Pourquoi tu roules pas avec les autres? Ah bah super, super l'IA, bien joué les mecs. Ah ça tourne, hein. Il y a Paré-Peintre et Gal qui roule. Faudrait que Paré-Peintre ou Gal, peu importe l'ordre, se sacrifie pour l'autre au lieu de tourner à deux. Parce que là, les 22 secondes, le Johan Essen, Mascaruso, Godu, ça ne se regarde absolument pas. Johan Essen emmène tout le monde. Carty, il est un peu plus en difficulté.
Non mais sérieux, les deux décathlons à G2R là. Oh là là, les idiots. 4 km. Voilà, Corbin Strong, l'idiot du village, qui était sans doute le favori numéro 1, qui s'est dit, bah tiens, je peux gagner l'étape du tour. Bah, et si je roulais pas? Les deux décathlons à G2R qui se disent, bah tiens, on va pas sacrifier l'un pour l'autre. C'est un peu bête. Autant faire 7 et 8 plutôt que 1 qui gagne. Et attaque de Johan Essen devant, qui est le seul qui roulait. Non, ça va jouer la 5ème place ici. Hein. Ça va se jouer la 5ème place. Et c'est pas parce qu'ils sont cuits, hein, tu vas voir qu'ils vont sortir un sprint du futur. Hein. Ça c'est terrible. Et Johan Essen a fait un beau trou quand même, hein, pour la victoire. Et le dernier kilomètre. Est-ce qu'il y en a un qui peut s'écraser devant pour gratter une place? On sait pas. On va essayer de prendre la route de part et part. Non, on peut pas. En tout cas, c'est une victoire de Johan Essen devant Godu. Qui s'impose, Caruso Mas, Paré Plaindre qui fait 5, on fait 6ème, nous avec Julien Alaphilippe. Corbin Strong n'a même pas sprinté, mais l'enfer, l'enfer du mec. Bon écoutez, 6ème, on reprend pas le maillot à points, on revient à 1 point. Belle journée, journée à l'avant pour 2 points. Ouais, je passe ici parce qu'on le connaît, hein, l'IA qui va pas suivre les attaques. Là aussi, regardez-moi ça, les deux Red Bull. Vlasov a son leader derrière, il l'attend pas. Ce jeu est magnifique, hein. Ce jeu est exceptionnel. Non, franchement, il n'y a rien à dire. On se régale. Allez, 5 km. Regardez, il y a des petits trous qui se font. Hein, des cassures totalement débiles qui se font dans le peloton. On part à 12. Regardez, ça se relève d'un coup. Tu sais pas pourquoi les Alpecin étaient avec nous. Ils se sont relevés. Et du coup, c'est en train de sortir, ce groupe de 9, là. Il y a tout le monde. Non, il n'y a pas Remco. Remco est derrière. Bah non, on est là, hein, 3 km 700. 3 km 700, Bardet et Christophe Laporte qui roule à bloc. C'était sûr parce que si on simulait, on aurait vu dans le menu Carlos qui prend 25 secondes gratos comme ça, tu sais pas pourquoi, avec une cassure, bah comme on le voit là, comme le peloton qui se relève sans aucun, sans aucune raison. Ouais, 2 km, Vlasov va être pris, gros taf, hein, de Christophe Laporte. Magnifique, notre champion du monde, vainqueur de l'étape 16. Magnifique. Bon, c'est quand même une bonne vidéo, hein. On est sur 3 échappées qui vont au bout, encore une fois. Bon, les deux étapes vallonnées, non, deux échappées pardon qui vont au bout. Bon, celle-ci c'est logique, mais la première non. Allez, est-ce qu'on peut aller s'accrocher? En tout cas, ne pas perdre de temps sur Vingegaard et Pogacar. Avec Carlos Rodriguez au sprint, on prend leur roue au Danois et au Slovène et on va pas perdre de temps. Fini dans leur roue, tranquillement. Par contre, il y aura une cassure par rapport à Roglic et à Remco. C'est quasiment sûr. Et la victoire de Johan Essen devant Godu, Caruso, Alaphilippe, 6ème. La maladie est passée en verte. Mais je crois qu'elle sera encore présente du coup demain pour l'étape de haute montagne. Carlos est là. Et du coup, comme prévu, on a gratté 12 secondes sur Roglic et Remco. Les 6 secondes de la veille sont déjà remboursées, même plus que remboursées. Donc ça, c'est cool. Et Henrik Mas, grâce à son échappée, passe de 11e à 6e sous les 10 minutes. Donc on va voir si avec la fatigue, il tient l'Alpe d'Huez. Mais s'il la tient, bah masterclass de la part de Movistar et de l'Espagnol. En tout cas, le général, il est là. Il y aura l'Alpe d'Huez demain et tout se jouera là-dedans. Est-ce qu'on va avoir une craquante de Vingegaard? Est-ce qu'on va avoir une craquante de Poga? Est-ce que nous, on sera au plus haut de notre forme? Est-ce qu'on va garder ce podium face à Evenepoel et Roglic? Beaucoup de questions. Et ça sera rendez-vous demain dans l'Alpe. Le maillot à poids, un point de retard pour Alaph sur Bilbao. Ça joue là, hein, les autres. Le troisième, c'est Vingegaard. Il a 29 points. Hyper loin. Maillot vert, bah, c'est quand même une bonne journée dans le sens où on s'est rapproché de Jasper Philipsen avec Arnaud Delis. On n'est plus qu'à 52 points du coureur d'Alpecin. Classement maillot blanc. Une 14 sur Remco, ça bouge pas. On passe meilleure équipe grâce à l'échappée. On aura un beau dossard jaune pour l'Alpe. Ça, ça fait plaisir. Allez, on se donne rendez-vous demain pour la fin de ce Tour de France. Galibier, Télégraphe dans la descente. Croix de fer, Alpe d'Huez. C'est la dernière étape de montagne de ce Tour de France. Il y aura 62 points à distribuer tout au long de la journée. Donc le maillot à poids se joue là. Le maillot jaune se joue là. Le podium, le maillot blanc se joue là. Tout se joue là. Et il y aura bien sûr le maillot vert qui se jouera à Nice et sur les champs Élysée. Si vous avez apprécié cette vidéo du Pro Team, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à réagir par rapport à tout ce qui s'est passé. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche si ce n'est pas encore fait, à lâcher votre plus beau pouce bleu, ça aide beaucoup, ça montre que vous continuez d'aimer la série, parce que bah, mine de rien, elle avance, hein. Est-ce que vous vous lassez pas, tout ça? Enfin bref, montrez-moi tout ça en commentaire et au niveau des likes. On se donne rendez-vous demain pour la suite de l'aventure, portez-vous bien, et à demain l'équipe, ciao ciao.